pour nous un des défis majeurs de cette exposition en termes de scénographie, c'était de réussir à articuler l'histoire et la légende. Le visiteur est accueilli dans l'exposition dans une première salle qui évoque la dimension cinématographique de la dynastie au travers du premier long métrage qui lui est consacré avec Sarah Bernhardt dans le rôle d'Elisabeth et aussi au travers d'un costume de cinéma qui est un costume inspiré d'un des tableaux de l'exposition. La dynastie des Tudors, c'est une des dynasties les plus célèbres de l'Angleterre qui arrive au pouvoir avec le roi Henri VII qui est particulièrement important puisqu'il met fin à la guerre des Deux Roses qui ravageait l'Angleterre depuis plus de 30 ans. Perhaps so famous for kind of two reasons. They are in the figures of Henry VIII and Elizabeth I. We have perhaps two of the most iconic monarchs to have ever ruled any country. They are kind of notorious for their private lives. Henry VIII married 6 times, broke from the church in Rome, and then has the perfect counterpoint in his daughter who never married. And at the same time, they ruled England in the 16th century at a great time of huge change. That it's the turning point between the sort of medieval period, the Middle Ages, and the Renaissance. This is the time of the English Renaissance. On voudrait que le public français découvre aussi les formes originales de la Renaissance anglaise, qui est un aspect peut-être un peu méconnu par le public français. On consacre aujourd'hui une exposition aux Tudors, car les Tudors ont donné une importance particulière à leur propre image. Il est important aujourd'hui de les resituer dans leur histoire et de montrer au public français leur véritable visage, un visage que les acteurs de cinéma ont tendance un petit peu à leur faire oublier. One of the most exciting things about this exhibition, for me working on it, has been the opportunity to look at the Tudors in a new way. And so an area that I knew nothing about was this tradition of the Tudors in the French imagination in the 19th century. Au travers de cette exposition, le public français va aussi découvrir la Renaissance anglaise avec une esthétique qui lui est propre, notamment dans l'art du portrait. And so we've actually presenting here for the first time perhaps the most complete selection of the iconography of the Tudor monarchs. So all the paintings and then the objects and works are directly associated with the monarch or with their spouses or with their suitors. La première chose que l'on voudrait que les gens retiennent de cette exposition, c'est le vrai visage des Tudors. Et je pense que le public français a tout à découvrir encore de ce point de vue-là.